Bonjour, je m'appelle le docteur Dominique Dangean, je suis dermatologue à Paris et je vais vous parler du détatouage. Pourquoi vous parler du détatouage? Eh bien tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de patients qui sont tatoués et qui se lassent de leur tatouage pour différentes raisons. Pourquoi enlever un tatouage? Pour des impératifs professionnels, parce que le tatouage a été mal fait, parce qu'il tient mal et s'efface progressivement, parce qu'il a été raté ou tout simplement parce qu'on n'en veut plus. Le détatouage se pratique avec un laser dont la longueur d'onde est absorbée par l'encre du tatouage. La longueur d'onde éclate l'encre en de multiples microparticules. Cette longueur d'onde transmet une chaleur à l'encre et permet donc, avec les microparticules, de l'éliminer beaucoup plus facilement. Que peut-on faire avec un laser de détatouage? Eh bien, on peut enlever les encres noires, bleues ou rouges. Par contre, très peu d'efficacité sur les encres jaunes, vertes ou violettes. Donc le laser cible l'encre, le pigment, il va l'éclater, mais sans abîmer la peau. Il va l'éclater, la peau va légèrement suinter et va éliminer cette couche d'encre. Et au fil des séances, on éliminera à chaque fois une nouvelle couche. Alors vous allez me demander combien de séances? C'est imprévisible à l'avance. Le nombre de séances est dépendant de la profondeur de l'encre, de l'intensité de l'encre et du type de pigment utilisé par le tatoueur. Il faut savoir que les tatouages faits par des tatoueurs professionnels sont en général beaucoup plus profonds et sont plus longs à enlever. Les séances sont-elles douloureuses? Oui, un peu. Mais grâce à certaines crèmes anesthésiantes locales, on peut atténuer la douleur et la séance se passe sans problème. Alors, que peut-on espérer du détatouage? Lorsque vous avez une encre bleue, noire ou rouge, vous pouvez espérer 95 à 100% de disparition de votre tatouage et sans cicatrice. Sans cicatrice, si vous avez confié votre détatouage à un médecin laseriste expérimenté et votre dermatologue connaît mieux que quiconque votre peau. Après le tatouage, pendant environ 8 jours, vous aurez des pansements à faire pour protéger et accélérer la cicatrisation. Quant au coût, malheureusement, je ne peux pas vous le dire, tout simplement parce que cela dépend de la surface du tatouage, de la profondeur de l'encre, donc du nombre de séances. De toute façon, avant tout traitement de détatouage, il est conseillé d'aller voir votre dermatologue et de demander un devis. Ce devis vous expliquera la procédure, le coût et l'évolution. Voilà, je vous ai parlé du détatouage, mais je crois que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de réfléchir avant de faire un tatouage.